Coucou tout le monde, donc je vous retrouve le soir, j'ai pas trop filmé aujourd'hui parce que voilà j'ai rien fait d'intéressant, enfin je suis allée en cours normal. Je voulais vous parler, donc ce weekly vlog parlera d'un défi que je me lance. Donc j'avais une semaine sans viande, voilà. En fait je me suis dit que je vous expliquerai mes motivations pendant la semaine, mais c'est surtout pour tester en fait, pour vous apporter du contenu et pour voir comment font les gens en fait qui mangent végétarien. J'ai vraiment envie de voir comment ils font pour trouver de la nourriture spéciale, parce que je pense que c'est vraiment pas, on vit pas dans une société où les gens qui mangent végétarien sont nombreux et sont vraiment acceptés, donc j'avais vraiment envie d'essayer. Je vous en parlerai plus, mais voilà, je vais vous emmener avec moi pendant la semaine et puis vous dire mon ressenti, et je vais essayer parce que j'espère que je vais tenir. Je vous fais des bisous et à demain. Alors, coucou tout le monde, donc là aujourd'hui on est mardi et on allait prendre des petites photos pour mon Insta. On m'appelle Marie, la photographe dans le milieu. Marie en photo, mais elle veut pas trop. Donc voilà, sinon ce midi j'ai pas mangé de viande, elle peut témoigner. Et ça passait, enfin genre ça me manque pas trop, donc je suis contente. Et hier non plus évidemment. ce midi j'ai goûté les cookies, enfin un bout des cookies Subway. Et tout le monde m'avait dit que c'était les meilleurs cookies du monde. Et non, les meilleurs cookies du monde, c'est ceux-là, c'est ceux de la Croix-Pierre, vraiment, les gars. Si vous aimez les cookies Subway, dites-vous que ceux de la Croix-Pierre, ils sont au tweet. Ah bah tiens. Tant de viande, la correspondance de Jacques Cardoz avec Régis Passy. Ah, trop bon. Je suis hideuse. Qu'est-ce que t'as fait de manger chez Pop Strip? Non, c'est nul. Ah, j'ai cru. Bon, franchement, en fait, je viens ici parce que cet avant, j'ai rien à faire. Donc, salut à tous. Mais non, c'est yo les gars. Yo les gars, zoom pour une nouvelle vidéo. Alors, c'est mon weekly vlog du 7 au 14. Le 14 anniversaire de Garance, ma petite sœur. Je te fais une dédicace, Garance. bisous à tous mes fans, ma communauté, Nino et Liv. Allez tous me voler sur internet, sur YouTube. Non, je rigole. Pouille, tu me mets pas dans ta vidéo, hein. Les gars, je suis refaite après des millions de tentatives de pancakes et d'échecs surtout. J'ai réussi à en faire pour mon matin. Je pense que je vous ferai la recette s'ils sont bons parce que c'est ultra exigeant. Il y a vraiment pas beaucoup de choses, genre gras ou quoi dedans. Il n'y a pas de beurre, pas de sucre, pas d'huile. Bon, bref, je vous montre quand j'ai fini ma pile parce que je suis trop contente. C'était mon beau pancakes. Je suis trop contente. Bon, il n'est pas trop cuit à l'intérieur, mais on va goûter ça. Franchement, le goût est carrément bon. Alors que j'ai rien mis dessus. Donc, deux. C'est vrai que j'ai pas du tout filmé pendant la semaine, je suis vraiment désolée, ça fait un peu ça le week-end à chaque fois. Ma semaine sans viande, alors, il faut que je vous avoue quelque chose les gars, j'ai mangé 3 lardons. En fait, c'était à la cantine, j'avais une salade et il y avait genre 4-5 lardons dedans. Et vraiment genre, je sais pas, ils avaient l'air trop bons et puis je me suis dit, enfin, ça sert à quoi de les jeter J'ai vraiment réfléchi et puis je me suis dit ok, je veux pas manger de viande, mais de là acheter de la nourriture, je pense pas que ça serve à quelque chose. Bref, franchement, sinon j'ai vraiment tenu et je vous ferai un petit bilan demain. Aujourd'hui j'ai mangé aux nachos, j'adore, vraiment c'est trop bon. Et j'ai pris au lieu de la viande, de la viande, du guacamole, et c'était parfait. Après on est allé au forum des métiers et pareil, bah c'était intéressant, mais il y avait pas énormément de... Je sais pas, c'était pas ouf, donc je vous le conseille pas forcément, enfin si vous avez vraiment aucune idée de ce que vous voulez faire, mais voilà. Coucou
coup les gars, aujourd'hui on est dimanche, clairement ma tête elle est pas passable, mais j'ai pas beaucoup weekly vlogué cette semaine. Pourquoi j'ai pas, enfin j'ai pas beaucoup vlogué et tout, mais je voulais quand même vous parler de mon défi de pas manger de viande. À part les trois bouts de lardon, je m'y suis quand même pas mal tenue, enfin j'ai rien mangé de viande. C'est ça parce que je voulais trouver, en fait je voulais tenter cette expérience depuis longtemps. Mais en moi c'est beaucoup, sachant que je suis chez mes parents, je mange au lycée, je sors des fois et tout, donc c'est un peu compliqué. Je veux pas handicaper les gens qui vivent avec moi par rapport à mon alimentation ou quoi. Je verrai peut-être plus tard pour devenir végétarienne, mais je ne pense pas. Après au niveau de pourquoi je l'ai fait une semaine, parce que je faisais des weekly vlogs, je me suis dit ça fera un contenu intéressant et peut-être que ça montrera aux gens qu'on peut être végétarien sans problème. Sachant que là j'étais pas végétarienne vu que je mangeais du poisson, mais c'est vrai que sinon c'était un peu trop handicapant. La viande, j'adore la viande, c'est aussi pour ça que j'ai décidé d'arrêter juste une semaine pour me désintoxiquer un peu, parce que la viande, déjà ça tue pas mal d'animaux, normal, ça pollue énormément la planète, faut pas croire que ça pollue pas la planète, ça pollue la planète, c'est prouvé et tout. Et puis je pense que pour mon alimentation, enfin pour mon corps, c'est pas ouf de manger autant de viande. Surtout que la viande que je mangeais, c'est de la viande du lycée et elle est vraiment pas bonne. Après le poisson aussi, c'est pas ouf d'en manger quand il vient du lycée parce que c'est pas du poisson ou de la viande de bonne qualité. Donc franchement la viande ne m'a pas manqué, j'étais assez étonnée. À chaque fois je trouvais des substituts, donc par exemple quand mes amis sont venus manger à la maison, elles ont fait des wraps au poulet, moi j'ai fait des wraps aux crevettes. Ça m'a pas manqué, alors je suis fan de viande, donc ça m'a un peu rassurée de voir que ça ne manquait pas comme ça. Je me suis vraiment dit qu'il fallait que j'arrête de manger autant de viande parce que pour les raisons que je vous ai énumérées avant. Donc ça m'a poussée à me dire qu'il fallait que j'en mange un peu moins. Je vous conseille réellement de tenter cette expérience parce que ça peut être intéressant et je comprends qu'à notre âge, enfin moi j'ai 16 ans, à 16 ans on n'a peut-être pas envie d'arrêter la viande complètement. C'est un peu compliqué de se forger soi-même une opinion parmi tous les gens sur YouTube qui donnent leur avis sans forcément réfléchir. Donc je vais pas forcément vous donner un avis moral ou de médecin ou quoi parce que je ne le suis pas, juste vous dire que vous faites comme vous voulez en fait. Soyez pas forcés par rapport à Instagram, à YouTube, à tout ça. Si vous aimez la viande, si vous avez pas envie d'arrêter, si vous voyez pas l'intérêt d'arrêter, n'arrêtez pas. Ça va juste peut-être vous créer des troubles alimentaires parce que vous en aurez trop envie. Enfin bref, je veux pas m'avancer mais faites ce que vous voulez, mais dites-vous que la viande quand même c'est pas super super. On peut réduire sa consommation, en manger une fois tous les deux jours ou une fois par jour si vous aimez vraiment la viande, mais essayez de faire gaffe, y a vraiment pas mal de substituts. Je vais m'arrêter là parce que je veux pas que mon weekly vlog soit trop long et je parle trop de viande ou quoi. Tout ça pour vous dire que cette semaine ça s'est très bien passé, je n'ai pas eu de problème, plus fatiguée ou quoi. Donc voilà, après je pense que sur une semaine c'est un peu compliqué, mais ça m'a vraiment confortée dans l'idée qu'il fallait que je mange moins de viande et ça m'a un peu désintoxifiée, donc c'est l'avantage. Je vais finir ce vlog maintenant parce qu'il faut que je fasse un montage et je vais poster une autre vidéo et on est dimanche donc flemme de filmer toute la journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, ça me fait trop trop plaisir. Voilà les gars, bye.